In a twist of dreamscape where shadows play, kawaii creatures dance, leaving hearts astray. Pastel horrors with a sugary grin, lychee beats echo in deep within. Through Shibuya streets, neon lights flicker, masking cuteness, the darkness grows thicker. Psychedelic whispers, secrets untold, in this cami-colored nightmare, truths unfold. In this kawaii nightmare, I'm lost in the maze, king faces hiding doom in the neon haze. Glitchy fits, my mind starts to break, in this twisted wonderland, I can't escape. Bonjour à tous, c'est Texi, fondateur de la Unari Esport. Et pour cette année 2024-2025, je vais vous présenter certaines nouveautés. Donc, pour commencer, on a refait totalement le logo grâce à Hazard, un ami à moi. Le voici en haut à droite. Le logo est composé du coup de comètes, avec en dessous le nom de la structure Esport, Unari. Et le rond éclairé est une éclipse solaire. Au niveau des réseaux pour la Unari eSport, le YouTube va totalement changer et être réorganisé, comme pour CFTP qui a été totalement réorganisé avec des catégories Unari, GStudio, ComArt et CFTP Multimédia. Le serveur CFTP va bientôt ouvrir ses portes et finir sa phase de test. Et le nouveau serveur de la Unari va enfin passer en test d'ouverture. Au niveau de l'organisation interne de la Unari, donc il y aura deux types de joueurs CFTP. Donc ceux qui vont être adhérents, comme pour les joueurs e-sport, hein, qui adhèrent, c'est une association sous loi 1901 après sa déclaration, qui vont subir les mêmes entraînements que les joueurs e-sport, mais ne seront pas représentants pendant les compétitions. Donc c'est vraiment, ils sont là pour s'entraîner, faire des compétitions comme on peut le voir, et les joueurs e-sport qui sont vraiment les représentants durant des compétitions en LAN, externe, etc. On peut aussi voir le maillot de la structure e-sport, donc le premier design, la première version, qu'on va pas sortir, on va l'améliorer. On a aussi la date de sortie du maillot qui est indéterminée pendant sa création. On va devoir du coup retoucher certaines choses, l'améliorer pour qu'il soit vraiment d'actualité. Donc au niveau des nouveautés, comme vous pouvez le voir, on a le logo V2 que je vous ai annoncé aujourd'hui et les prochaines dates des prochaines nouveautés qu'on fera sur des annonces Twitter, YouTube et Discord. Donc Discord CFTP et Discord Unari. Donc je vous laisse admirer les dates. C'est pour un peu hype. Donc passons sur un autre sujet par rapport au roster de la Unari. Au niveau du coup des rosters, on va devoir accueillir un nouveau jeu Rocket League. Donc maintenant qu'on a Fortnite, on va aussi passer sur Rocket League. On n'a pas de date où on va passer dessus. Comme vous pouvez le voir, on va aussi avoir d'autres jeux. Donc je vous laisserai deviner parce que c'est flouté hein, pour la hype. Voilà. Au niveau des compétitions internes de Fortnite, donc de la Unari, compétition interne, vous pouvez rentrer, tenter votre chance comme la UFE. C'est à peu près bien déroulé, on va vous le dire. Parce qu'il n'y a pas assez de hype, pas assez de membres ou autres. Bon, ça va devoir changer. On va devoir attendre, faire beaucoup d'annonces pour arriver sur quelque chose de correct. On a aussi besoin de parler sur l'organisation interne. Donc on va devoir demander à des gens pour devenir staff sur le Discord. Pour pouvoir gérer, donc ça va être totalement en termes de bénévolat. On veut juste que les gens modèrent les discussions. Par exemple, s'il y a des mots interdits ou autres, bon, il y en aura grâce aux bots qui vont être supprimés. Mais faire des avertissements ou tout simplement envoyer une alerte aux modérateurs en chef pour pouvoir ban les gens qui sont mauvais. Il y aura plusieurs niveaux de staff. Donc il y aura le staff qui va se servir juste à parler, rendre le serveur intéressant ou pouvoir parler avec la communauté. Et on aura le... Du coup, le staff en chef, lui qui va pouvoir, grâce au staff, savoir qui a fait des bêtises, a envoyé des mauvais messages et réguler le serveur Discord et punir certains membres. Dans le serveur Discord, il y a du coup CFTP
Il y a les membres du coup de l'association CFTP. Donc ça va être du coup membres CFTP. Et il y a les visiteurs. Donc c'est tous ceux qui n'ont pas adhéré, qui sont là pour regarder comment ça se déroule, qui veulent voir ce qu'on fait, ou juste discuter avec des membres ou autre. Pour les streams, du coup, Unary, vu que nous ne sommes pas trop actifs, j'ai décidé de mettre en place un emploi du temps, donc un calendrier de lundi, mardi, jeudi, vendredi et autres, avec des horaires. Les joueurs pouvant stream avec un bon matériel ou autre, devront au moins stream une fois toutes les 2 semaines, au maximum. Ils peuvent stream une fois toutes les semaines, mais minimum vraiment une fois toutes les 2 semaines, faut pas trop leur demander, ils ont une vie derrière. Et du coup, vous s'inscrire ici, on partagera du coup l'emploi du temps, comme ça vous savez qui va stream, votre joueur préféré ou autre. Il y aura la chaîne Twitch et bientôt ils auront accès à la Unary, donc à la chaîne Unary pour pouvoir stream aussi dessus. Alors, pour le code créateur, nous demandons du coup à la communauté pour avoir 1000 abonnés Twitch. Donc partager un maximum parce que ça nous embête, on ne peut pas faire un système de récompense pour les compétitions, donc on ne peut pas vous donner des choses car on récupère pas assez. On ne peut pas vous faire des maps créatifs, vous les publier pour vous entraîner ou vous amuser. Donc c'est vraiment embêtant. Pareil pour les compétitions internes, parce qu'on sera du coup limité à 16 personnes. Il y a quoi d'autre? Pour les chaînes YouTube des joueurs, tout est du coup dans la chaîne Unary. Donc si d'autres joueurs veulent mettre sa propre chaîne Fortnite, qui me le dit, je le mettrai sur la chaîne Unary tout en bas, vous aurez accès aux membres. Sur la chaîne CFTP tout en bas, vous aurez accès aux filiales et à certains membres. Du coup, pas aux membres des filiales, mais aux membres fondateurs de la Unary. De la Unary, de CFTP, je voulais dire, excusez-moi. Au niveau de l'association CFTP, on veut vraiment quelque chose qui va attirer un maximum de monde. On veut pas que des personnes fortes, donc pour la filiale Unary ou d'autres choses, hein. On veut vraiment que les personnes échangent entre eux, qu'ils s'amusent, vraiment c'est le plus important, qu'ils s'amusent, qu'ils apportent leurs propres connaissances aux autres personnes, qu'on puisse vraiment faire un réseau interne ou externe grâce au site, hein, pour vos créations ou autres. Faire de la pub. Vous pourriez aussi stream sur la chaîne de CFTP, apprendre à monter des vidéos avec entre vous, vous pourriez apprendre, demander des conseils. Nous, on sera là par rapport à nos connaissances. On ne sait pas tout, bien sûr. C'est grâce aussi à vous qu'on va avoir aussi nous-mêmes des connaissances. L'association regroupe beaucoup, beaucoup de points. Ça va être plusieurs filiales et autres. Donc, pour le moment, elle n'est pas déclarée. On ne l'a pas fini. Ça reste pour le moment un projet, un pré-lancement. Mais ça ne tarde pas. On avance, mais assez rapidement. On va faire beaucoup de points sur le CFTP, mais on va pas essayer de vraiment vous spoil. À part la Unary, mais bon, c'est la seule chose qu'on vous a donnée. Mais le reste. C'est vraiment encore à savoir. Vous ne savez pas à quoi sert GL Studio, vous ne savez pas à quoi sert Comart, vous ne savez pas à quoi sert CFTP Multigaming. Voilà. Donc il y a encore plein de points qu'on vous garde secrets pour vous hype, vous ramener et pour vous faire plaisir. Hein. C'est un peu notre but. Au niveau de l'association, on pense que les adhésions seront pour tout le monde 10 € par mois, donc 120 à l'année. Ça fait comme un abonnement. Vous aurez accès à toutes les filiales. Il y aura une grande annonce dans une des nouveautés par rapport à l'association. Dans tous les cas, dans toutes les nouveautés que je vous ai présentées juste avant, avec les dates, c'est vraiment des masterclass, des choses que vous attendez depuis longtemps, que vous vouliez voir. Il y aura des améliorations en cours de route. Il y aura vraiment plein de choses. C'est comme un calendrier de Noël, vous voyez. Bon, à chaque date. Il y a une masterclass qui sort. Du moins, on essaie de faire des masterclass pour vous. Pour que ça coïncide avec ce qu'on veut faire et ce que vous aimez. Pour entrer dans la Lunari, c'est super simple.
Soit vous rejoignez le Discord et vous allez sur Sick Team, soit vous allez directement sur Sick Team, vous créez un CV, vous rejoignez du coup la structure, donc sur Sick Team, vous faites une lettre de motivation qui est vraiment, c'est vraiment un plus pour pouvoir vraiment passer e-sport. Donc par rapport à vos compétences, ce que vous cherchez, votre motivation, c'est vraiment pour nous aider. Si c'est vraiment juste pour l'amusement, pas obligé, dans tous les cas, vous payez l'adhésion quand ce sera OK et vous allez pouvoir rentrer. Mais tant que l'adhésion, genre, c'est pas déclaré, vous n'allez pas pouvoir rentrer sans faire le Sick Team. Donc une petite lettre de motivation. Et ça, c'est simple. Il y a aussi la façon de participer à la UFE, donc la compétition interne Unary Fortnite Evaluation. Donc c'est vraiment la compétition où il y aura un système de classement des matchs. Le gagnant gagne un point. Et il faut vraiment qu'il soit meilleur que tout le monde. On doit revoir comment on va se dérouler la UFE 2025 par rapport à la 2024. Si vous crashez en plein game, vous ne pourrez pas revenir. Ça ne servira à rien. Et on va vraiment enchaîner. Ça se passera en live. Et si vous gagnez, soit vous passez e-sport, soit vous pouvez rentrer en tant que joueur e-sport. Vous rentrez comme ça. Sachant que plus tard, vous devrez payer une fois que c'est déclaré. Normalement, j'ai rien ajouté. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo d'annonce et d'explication pour l'année 2025 vous a plu et que ça vous a hype pour la suite.